Vous êtes pour DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV, DMTV qui vous propose bien sûr des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur cette information rocambolesque qui annonçait en tout cas la non-participation de nos fauves, des léopards basket qui devaient s'envoler pour le Rwanda et participer donc à la Afrobasket. Au niveau du Rwanda Afrobasket 2021, on nous annonçait que faute des moyens, nos fauves ne pouvaient pas participer, en tout cas ne pouvaient pas faire ce voyage-là, et pour cause, d'abord les frais pour effectuer les trois tests de Covid-19 dans un laboratoire accrédité le 16 et le 21 novembre avant le départ, et un autre à l'arrivée, tel qu'exigé par la FIBA, n'ont pas été réunis à temps. Deuxièmement, les joueurs évoluant à l'étranger n'ont pas pu obtenir leur billet pour rejoindre le reste de l'équipe nationale. Et par conséquent, nos fauves ne pouvaient pas se déplacer pour Kigali au Rwanda. Voilà les premières informations que nous avions en rapport avec ce forfait qui a été annoncé. Oui, finalement, un député national qui a suivi l'information du forfait de nos fauves à l'Afrobasket 2021, il s'agit bien de l'honorable Patrick Mouyaya, il s'est porté finalement garant pour la prise en charge des billets d'avion des joueurs de l'équipe nationale. Ça, c'est pour résoudre le premier problème, le problème des billets. Et finalement, d'autres partenaires aussi sont venus à la rescousse de l'équipe nationale afin de lui permettre de totaliser la somme nécessaire pour couvrir en tout cas à ce voyage. On peut citer notamment les partenaires tels que l'entreprise Égal et la Rohobank, et bien entendu aussi l'honorable Patrick Mouyaya qui ont soutenu financièrement une partie de son déplacement. Et alors, malgré des multiples promesses du gouvernement, l'équipe nationale était contrainte à recourir aux emprunts pour totaliser le montant souhaité. Une honte donc pour la République démocratique du Congo. Qui l'eût cru? Comment pouvez-vous croire que le ministre des Sports actuel, qui est aussi un grand sportif, connu en tout cas dans les milieux sportifs, lui qui a toujours été autour du ministère des Sports et qui connaît bien tous les rouages de ce ministère, et maintenant il est devenu titulaire à ce poste-là. Comment expliquer que le basket qui fait aussi l'honneur de cette République démocratique du Congo soit laissé pour compte ainsi? Est-ce que c'est seulement le football qui a droit de bénéficier d'un regard attentif de nos autorités? Ce sont des questions que nous nous posons. C'est quand même honteux de vivre une telle situation. Il y a beaucoup de critiques en tout cas qui fusent de partout contre la gestion de ce ministre du sport. Nous ne savons pas si sa responsabilité est entamée dans cette situation, ou c'est toujours ce problème qui concerne également le ministère des Finances et le ministère des Budgets et la disponibilisation des fonds nécessaires à la préparation de ce voyage. Et ça, c'est ce qui a toujours été décrié comme cause de plusieurs cas de forfait en ce qui concerne d'autres sports, des sports autres que le football. Alors c'est quand même triste de voir qu'un particulier puisse avoir suffisamment plus de moyens que l'État, un député, honorable député, qui du reste est payé par l'État congolais, par le contribuable congolais, que ce député puisse user de ses moyens personnels propres pour supporter soit en totalité, soit une partie des billets de nos fauves du basket. C'est quand même triste que la République démocratique du Congo soit toujours couverte de honte par ce genre d'actes. Dans d'autres pays, je pense que même le ministre des Sports aurait démissionné si
par ses actes, par son action, il n'a pas été suivi par ses collègues du budget et des finances, finalement, il peut démissionner pour montrer sa désapprobation par rapport à ses collègues qui traînent les pieds. Alors, vous savez, lorsque nous préparons une compétition, par exemple, cette compétition, la date de cette compétition ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. C'est une date qui est connue à l'avance et c'est connu et il faut faire un planning. Et on doit préparer en amont déjà cette participation-là. Comment on peut arriver à risquer qu'une équipe nationale de la République démocratique du Congo ne puisse pas participer à cette compétition pour faute de disponibiliser des moyens à temps pour faire le test COVID, alors que c'est recommandé actuellement, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est recommandé actuellement. C'est quand même honteux, ce n'est pas anormal. Et les frais de voyage, les billets d'avion, est-ce que c'est un problème pour un gouvernement, pour un pays, de pouvoir disponibiliser les moyens pour l'achat des billets de ces ressortissants qui doivent venir de l'étranger pour étoffer justement l'effectif local afin de donner le meilleur visage possible et défendre notre couleur nationale. C'est quand même triste que nous puissions vivre de telles situations. Moi, ce n'est pas un motif de fierté en tout cas que de dire merci à l'honorable Patrick Mouyaya. Je pense que dans une situation normale, on n'aurait pas à lui dire merci. C'est quand même pas normal qu'un pays qui paye un honorable député, que cet honorable député donne comme image à l'opinion qu'il a plus de moyens que l'État congolais pour soutenir même l'équipe nationale. C'est quand même honteux. Je ne pense pas que de telles choses peuvent être acceptées par le chef de l'État qui est un grand sportif aussi. On se rappelle qu'il avait reçu justement ces basketteurs-là lorsqu'ils avaient gagné un trophée. Et promesse faite à ces basketteurs, c'était de leur donner des véhicules Prado. Et jusqu'à ce jour, ces derniers, je pense que ne sont toujours pas entrés en possession de ce que leur avait promis le chef de l'État. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dont on doit de temps en temps dénoncer et y revenir afin que les choses puissent changer. Est-ce qu'il faut un regard seulement sur le football et pas d'autres sports? Ça, c'est une question que nous continuons à nous poser et qu'on n'arrêtera certainement pas à se poser. C'est quand même triste, mais du moins, nous sommes quand même heureux qu'il y ait eu ce dénouement et ça va permettre, en tout cas, à nos basketteurs d'aller défendre notre honneur, défendre les couleurs de la République démocratique du Congo à Kigali, puisque tout semble être réglé, même si c'est dans la douleur, même si la Fédération de basket a été obligée de recourir à l'emprunt pour suppléer au solde du montant qui manquait, parce que bien sûr les partenaires n'ont pas pris en charge la totalité, donc il fallait forcément recourir à d'autres moyens pour compléter les fonds dont avait besoin la fédération pour pouvoir effectuer ce voyage. C'est ainsi que souvent nous parlons des fédérations qui vont emprunter de l'argent même chez des cambistes et au nom de la République, et c'est quand même honteux. Ce genre de situation doit s'arrêter à un certain moment. On doit s'arrêter et se dire que ça ne va pas, on ne peut pas continuer à marcher comme ça à contre-courant et ça ne va pas. Même une compétition qui est organisée en Afrique, la République démocratique du Congo fait toujours office d'orphelin qui n'a pas de parents et le pays le plus pauvre est le pays qui a de plus des difficultés que tous les autres pays africains. Je pense que il est temps quand même de redorer cette image ternie de la République démocratique du Congo. Voilà, nous arrivons en tout cas à la fin de ce sujet que nous avons voulu vous proposer. Nous avons voulu revenir en tout cas sur cette situation qui a préoccupé plus d'un Congolais parce que ça n'a pas en tout cas donné une très très belle image de notre pays. Néanmoins, comme la situation est réglée, nous sommes quand même contents aussi. Si vous avez aimé cette petite réflexion, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à émettre, n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre opinion à travers un commentaire, mais surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur votre chaîne, à votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez
restez abonné TMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour avoir accepté de partager ces quelques moments de réflexion avec nous. Nous espérons revenir vers vous avec un autre sujet d'actualité, bien entendu. En attendant, prenez soin de vous et surtout protégez-vous contre cette pandémie COVID-19 qui n'a pas encore été vaincue. La prévention reste notre meilleure arme pour faire face à cette maladie. Merci encore une fois et DMTV, votre chaîne YouTube, vous dit au revoir.